salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel entraînement, un entraînement que j'ai pas encore fait sur ma chaîne et on va se focus sur nos épaules. Donc autant vous dire que ça va brûler, pas de blabla, on attaque directement. C'est parti. Alors ce qu'on va faire, on va partir donc comme ceci debout, on va placer les épaules donc comme ceci et on va faire des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va jusqu'à 15, 11, 12, 13, 14, 15 dans l'autre sens et on fixe nos omoplates à chaque fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, haut en bas. 1, petit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On fléchit et on tend et on fixe épaule. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je fixe, 13, et ça, 14 et 15 ici et 1. 2, 3, c'est ça, 4, 5, 6, très bien, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, on va vers le haut derrière, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11, on verrouille les coudes, 12, 13, 14, 15, je descends et j'ouvre ici, 1 et 2 et 3, très bien, et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10, allez, et 11 et 12 et 13, 14 et 15, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Et on relâche. Ok, petit échauffement. Je pense que ça commence déjà à brûler. Dites-moi en commentaire si déjà ça brûle. Ok, donc maintenant on va venir se placer au sol. Pour ceux qui connaissent, on va faire la série des pouces. C'est comme ça que je l'ai appelé. Donc là, j'enlève le t-shirt parce que je commence déjà à avoir chaud. Et on va se placer donc sur le ventre. Comme ceci. Et là, on va mettre les pouces en l'air. Les pouces en l'air parce qu'on est content de faire cette séance, c'est cool les amis. Allez, dans cette position, on va lever, c'est parti. 1 et 2, on garde le menton au sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, là on va faire que 10, 9 et 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on va devant. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. On vient ici et on tend. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Ici, petit rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va derrière et on lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tient. Alors je sais que là quand vous êtes en train de me regarder sur la vidéo, c'est pas simple de garder le menton au sol parce que vous êtes là à regarder un petit peu comment je fais. Mais essayez de garder au maximum votre tête proche du sol. Allez, on est parti, on va devant. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10, le plus dur, on lève. 1, devant, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on relâche. Ok. Alors, je sais que pour certains, c'est pas facile parce que ça demande quand même pas mal de mobilité au niveau des épaules. Mais moi, je vous challenge. Pour ceux à qui c'est compliqué de faire cette série, essayez de la faire assez régulièrement pour justement voir une évolution. Parce que c'est quand même super important d'être assez mobile au niveau de nos épaules. Prochain exercice, les amis, on va partir sur des pompes à l'équilibre, comme ceci. Non, je rigole. Pas pour l'instant, mais peut-être que bientôt, ça va venir. Alors, on va se placer justement. Donc, ici, avec les jambes, donc tendues pour ceux qui peuvent, fléchis si ça tire au niveau des ischios. Et on va venir faire une pompe en avant, comme ceci, pour solliciter nos épaules. Donc on va partir sur 10. Allez, on est parti. Donc j'inspire sur la descente et je souffle. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Ok, on récupère, on relâche un petit peu. J'espère que ça va pour vous. Donc là, on va se faire 4 séries. Donc là, il nous en reste 3. Donc comme je vous ai dit, on va se replacer. Donc pour ceux qui peuvent, les jambes tendues, sinon si c'est trop dur, les jambes fléchies. Allez. On est reparti. Et 1, on pousse. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Parfait. On récupère. Donc là, vous pouvez vous mettre debout pour relâcher un petit peu. Hein, marcher un petit peu, ça fait du bien, histoire de récupérer. On ne se laisse pas trop de récup quand même entre les séries. Ok, donc là, on est reparti. Allez, on se place. Troisième, allez. Et 1. Et 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on récupère en marche. Très bien, donc là il nous reste une dernière série sur cet exercice. Allez, on relâche bien les bras. Donc là on a aussi également nos triceps qui vont être sollicités. Donc pourquoi j'incline justement les pieds comme ceci pour justement avoir plus de sollicitation au niveau de nos épaules. Allez, on incline. Et on est parti. Et 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, et 10. Ok, on récupère. Prochain exercice, on va faire un exercice statique. Donc vous allez ouvrir vos mains pour moins solliciter vos poignets, vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, on va se positionner donc en avant ici. Dans cette position, on va faire le dos rond, ok? Et ensuite, on va se positionner comme si on était en gainage, bras tendus, sauf que les épaules sont en avant. Et on maintient. 1, 2, allez, on tient. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Donc ça, c'est un petit peu la position de la planche. Je sais pas si vous avez vu un petit peu les gymnastes, comment ils font quand ils font une planche. Ou tout ce qui est calisthenics ou street workout, vous avez dû sûrement voir donc une planche écartée. Donc ils appellent ça la straddle planche. Donc ça, c'est un petit peu le même principe, on va dire. C'est vraiment une base pour pouvoir exercer ce type de figure. Donc on se replace, on ouvre, on se place en avant. Donc si c'est trop dur, vous pouvez rester sur les genoux et maintenir la position comme ceci. Sinon, on les fait jambes tendues. C'est parti. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Donc là, normalement, vous devez sentir une grosse sollicitation au niveau de l'avant de vos épaules. On récupère, relâche un petit peu les bras. On va refaire ça encore deux fois. Donc voilà, je demande d'ouvrir les poignets pour justement qu'il y ait moins de sollicitation. Si on les met droit les poignets, on a tendance à avoir une grosse flexion au niveau de nos poignets. C'est là où ça va être un petit peu compliqué au niveau de la sollicitation de nos poignets. On y va ici et on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Je vous amène tout doucement à des petits exercices de poids du corps parce que je trouve ça quand même super important. C'est vraiment un peu le principe de ce que j'aime partager aussi avec vous. Donc si je peux vous amener sur des petites figures de ce style-là, moi c'est avec grand plaisir. En tout cas, dites-moi vous en commentaire si vous aimez ce genre d'exercice et puis je partagerai ou non les prochains si ça vous intéresse. Allez, on est reparti. On ouvre. Et on tire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on récupère. Le temps pour récupérer, je vous montre le prochain exercice. Donc là, on va se mettre donc comme ceci et on va venir donc avancer les mains et les reculer. J'avance et je recule. Okay. Donc ça, on va faire ça 5 fois. Okay. Allez, on est parti. Je place mes mains. On avance. On recule. Très bien. On avance. On recule. Allez, c'est bien. On avance. On recule. Très bien. On avance. On recule. On en reste une dernière. On avance. On recule. Ok. On récupère. Donc ce que je veux là, garder toujours votre gainage, c'est vraiment super important. C'est que les mains qui avancent et que les épaules qui travaillent. On récupère. On est reparti. Allez, on avance. On recule. On avance. Très bien, on recule. Si vous voulez reculer avec les jambes fléchies, si c'est trop dur au niveau des disques lendemains, pas de souci. On avance. On recule. Très bien, on avance. On recule. Allez, il nous en reste deux. On avance. On recule. Gardez votre gainage. On avance. Et on recule. Ok, on récupère. Ça reste encore deux séries, les amis. On se replace. On est ici. On avance. On recule. On avance. On recule. Très bien. Allez, on avance. On recule. Avance. On recule. Une dernière, on avance. Et on recule. Ok. Allez, on récupère. Et il nous reste une dernière série. On se place. On est parti. Allez, on avance. On recule. On avance. On recule. Allez, troisième. On recule. Quatrième. On recule. Allez, cinquième. Et on recule. Ok. Bien. Je pense que là, vous êtes en train de vous dire, ça va, cet exercice, il est assez facile. Mais je vous ai préparé cet exercice. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un deuxième qui va suivre. Et on va combiner ce qu'on a vu avant et ce qu'on vient de faire maintenant. Donc, on va avancer. On va reculer. Et lorsqu'on a reculé les mains
assez proche des mains, on va venir faire notre pompe épaule. Donc plus vous allez avoir les mains proches des pieds, plus vous allez solliciter vos épaules et plus ça va être compliqué. À vous de voir en fonction de votre niveau. Ensuite, au niveau de vos ischio-jambiers, plus vous allez tendre les jambes, plus ça va solliciter vos ischios. Si ça sollicite trop, je vous conseille de les fléchir. On est parti. Allez. On avance. Très bien, on recule. Et on pompe. Ouf. Très bien, on avance. On recule. On pompe. On avance, on recule, et on pompe, c'est la troisième, on avance, on fait notre quatrième, on recule, on inspire, on souffle, allez la dernière, on avance, on recule, on inspire, et on souffle et on relâche, ok, super les amis. Récupérer, marcher, relâcher les bras. Allez, on repart sur notre deuxième série. On a fait des séries de 4 juste à présent. Donc, on va continuer sur une série de 4. Allez, on attaque notre deuxième. On se place. On avance. On recule. Et on y va. On avance. On recule. On inspire. Et je souffle. Très bien. On inspire. Parfait. On inspire. Ok. On avance. On recule, c'est la dernière. On inspire. Et on souffle. Ok. On récupère, on se fait un petit tour du tapis tranquillement, ok, et on passe sur notre troisième série. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, on avance, on recule, on inspire et on souffle, super, allez, on avance, tenez le coup. On recule. On inspire. Très bien. Allez. On recule. On inspire. 3. Super. Quatrième. Parfait. La dernière. On inspire. Ok. Super. Relâchez, petit tour du tapis, on récupère, il nous reste une dernière série et après on aura fini. Petite forte, allez, vous êtes prêts? C'est la dernière série, on se donne vraiment à fond et on lâche rien. Allez, c'est parti, on se met en position, allez, on avance, on recule. On inspire et on souffle, on avance, on recule, on inspire et on souffle, on a fait deux, on avance, on recule, on inspire, 3, on avance, on recule, on inspire, 4, allez on avance, on recule. Dernière, on inspire, et on souffle. Et on a fini. Pour ceux qui trouvent ça trop compliqué, n'hésitez pas à adapter en fonction de votre niveau, mais ayez comme objectif de réussir cet entraînement. Et bien évidemment, pour ceux qui trouvent ça trop simple, n'hésitez pas à refaire plusieurs fois cet entraînement. Désolé les amis, je viens de voir qu'on a eu un petit problème d'autofocus. J'espère que ça n'a pas été trop gênant durant votre effort. J'espère que l'entraînement vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Moi, ça m'aide vraiment justement pour développer cette chaîne. Voilà les amis, on se retrouve très prochainement pour un nouvel entraînement. Bye bye.